Yo les Babtou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en Battle Royale sur H1Z1. Donc Battle Royale, je vous l'explique pas, vous savez ce que c'est sur ma chaîne. C'est tout simplement un mode de jeu où on est 140 sur la map et il doit en rester plus qu'un. C'est un peu le Hunger Games en fait français. Sauf que là, on est deux et je serai accompagné donc de Adrigeek qui est avec moi sur le TS aujourd'hui. Bonjour Adrigeek. Salut Verdo, salut tout le monde. Donc tu es chaud Adrigeek, on va péter des chevilles et éclater des têtes ou alors tu vas mourir dès les premières minutes comme d'habitude? Je suis chaud à 75 degrés, on va tous les déglinguer. Ok, il est chaud à 75 degrés, alors c'est parti pour les déglinguer. Let's go. C'est ça, alors faut toujours retirer la casquette et les chaussures. La casquette pourquoi? Parce que quand vous allez rentrer dans la BR, tout simplement vous allez devoir mettre un casque. Et si vous avez déjà la casquette, ça vous fait perdre du temps. Les chaussures on les enlève parce que vous faites beaucoup de bruit avec, donc du coup vous faites repérer direct. C'était les petites astuces de Verdeuse. Ah ouais, il est en caleçon, putain, il est en caleçon, les gars. Il respecte déjà plus rien. Vas-y, tu me suis là? Attends, je fais des petits proutes pour avancer plus vite. Ouais, fais des petits proutes, mais suis-moi là, ok? Mais t'es où? Je sais pas, je tombe vers. Je vois pas ma position du coup, mais je vais le nord là. Je suis G6, j'ai une voiture. Ouais, d'accord, j'étais carrément pas dans la bonne direction. Ouais, mais genre, c'est G6, c'est quoi la position? G6, ouais, G6. Ah, mais moi aussi, je suis G6, mais genre, t'es près d'une route, près d'une rivière, près. Regarde. Ah, je te vois, ok, j'arrive, bouge pas. Planque-toi, j'arrive, bébé! Meurs pas. Oh non, oh non. Non, Adrigeek est mort déjà. T'as 30 secondes de jeu quoi. 30 secondes de jeu, Adrien est déjà mort. Normalement ça devrait le faire. Je meurs direct à la première partie. La deuxième partie je meurs un peu plus loin. Et à la troisième partie je gagne. Allez, c'est parti pour la deuxième BR vu que Adrien est mort au bout de 30 secondes. Donc on va ouvrir les Elite Bags. Parce que hier on a gagné des trucs malgré tout avec Adrien en live. Faut savoir qu'on fait des Battle Royale en live. D'ailleurs je vous invite à nous rejoindre en live sur Twitch. On fait des lives pratiquement tous les soirs, que ce soit sur Gmod ou sur H1Z1. Et des fois on se retrouve avec Adrien pour aller délirer sur H1Z1. Et franchement c'est bien drôle. Ah franchement ouais, on s'éclate. En fait là où j'ai le plus de skills c'est dans le lobby. Parce que je peux demander et je peux taper des gens. C'est ça, en fait là où Adrien s'en sort le mieux c'est ici. Vous voyez, parce qu'en fait il ne peut absolument pas mourir. Et il peut taper les gens totalement gratuitement. Alors que d'habitude il les évite. Pose ta casquette. Et arrête de poser ton pantalon. Mais si, mais c'est pour me sentir plus frais. Bon ok, bah vas-y, je pose mon pantalon aussi. On est la team en slip. Ok, bon bah je tombe dans la forêt. On est dans la merde parce que j'aurais pas d'armes et je sais pas où t'es. Putain. Ah, merde. Oh là là. Je on est perdu dans la forêt et voilà. Alors là les gars, c'est parti pour se retrouver. Non mais le mec il s'assoit, tu sais. Mais quoi, on peut discuter ou quoi? Bonjour Adrien, vous m'attendiez pour cette BR, c'est ça? Bah alors allons-y, nous avons trouvé des armes. C'est du RP. Dans un jeu de rôle des années 90. C'est genre. C'est genre dans les tavernes à l'époque. Bonjour jeune aventurier. Bon, bonjour jeune aventurier, suivez-moi donc pour votre quête principale. Tu fonces dans le tas. Oh le bâtard. Arrête. Tiens. Vas-y, c'est bon. Vous rigolez ou pas là dans cette forêt? Eh, le mec il veut me frapper, mais putain, mais je vais te défoncer là, comme cet arbre là. Putain. Il est encore debout, là. Je suis vénère, moi. Regarde, toi, t'arrives même pas à taper dedans. Regarde. Ouais, pourquoi? Les mecs en slip en Battle Royale qui tapent contre un arbre. Franchement, on est vraiment des noobies. Oh là là. Tu connais la blague à deux balles? Oh, lourd. Toi aussi, t'es un adepte des blagues de merde, je vois ça. J'avoue, j'ai une vie pas facile. J'ai une vie pas facile. Moi, j'ai trouvé un pistolet. Moi aussi. Non, moi d'abord. Non, moi d'abord. Arrête de me copier. Eh, pourquoi tu fais comme moi en fait? Plagiat Verdeuse en fait. C'est où là? Viens en plein milieu du camp là. Viens là, il y a une aire pour toi, viens. Ah ouais. Heureusement que je suis là pour trouver tes aires. Ouais, alors là. Attends, je te mets un beau skin dessus. Comment tu mets des skins? Ouais, parce que je les ai eu dans les drops, tiens. Ah ouais, c'est ça ton beau skin? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Quoi, il est beau le skin, regardez, les gens, il est beau le skin, d'accord. Attends, tu te fous de ma gueule? Je l'ai même pour le pompe. Comment je vais me camoufler avec ça? On est pas en boîte de nuit là. Tu t'es créé au laser game ou quoi? Allez, on est au laser game, go. Oh, y'a une voiture. Où?
Là. Attends, tire pas trop dessus, tire pas trop dessus, on s'en fout. Bah, j'ai pas trop tiré, j'ai tiré un peu. Wouah. C'est qui a lancé un molotov? C'est pas moi, j'en suis quasiment sûr. Je crois que c'est eux qui ont pris la voiture, donc viens, faut qu'on aille vers eux, de toute façon, faut qu'on aille vers Prison Valley. Trop loin là, on peut pas les avoir. Oui, alors, je vous montre les babtous, en fait, il y a une zone safe. Faut la rejoindre si vous voulez, sinon il y a un gaz qui va arriver qui va nous buter. Pour se repérer, c'est tout simple, vous avez votre position qui est là, F6. Waouh. Il est derrière nous. Vas-y. J'en ai marre. Ah, il m'a enlevé mon casque, il va me tuer. T'es mort? Non. Ah, si, t'es mort, il va me tuer aussi. Oh, genre, il m'a mis un one shot, le mec, c'est abusé. Bon bah, il a été 20ème. On a fini 20ème. Voilà. On essaie de viser le top 10. C'est ça. Bon, bah c'est parti pour la 3ème BR, en espérant qu'elle se passe un peu mieux que les autres. Et parce qu'il faut savoir que pendant l'enregistrement, Adrien vient de se faire appeler pour se faire livrer un canapé, donc Ouais, en fait, c'est un canapé dépliant qui fait lit. Et du coup, c'est quand tu viendras à la maison, tu pourras dormir dedans. Mais du coup, pour toi, j'avais pensé prendre un tabouret à la base. Ah, mais je sais pourquoi tu prends un plus grand canapé, c'est pour mieux poser tes oreilles, non? Ah, vas-y. On est des bâtards. Je vous promets que sur ce gameplay, on va perdre. Vu le spawn, on va perdre. Vas-y, on va juste faire deux maisons. Non. Près du pont. Non. Mais non, mais je t'ai déjà perdu, t'es où? Les deux entrepôts là où il y a une voiture entre. Les deux entrepôts où il y a une voiture entre. Mais moi j'en vois pas là. Mais si, il y a un mec qui tombe si, dessus. Si, mais c'est là où je voulais, putain, il y a deux gars qui tombent dessus. Bah oui, il y a moi et un autre mec. Oh ouais, mais attends, je vais mourir direct. Moi je vais clamser sa mère. Tue-le, ah, tue-le. Tiens, ouais, j'en ai eu un. Oh, putain. T'es mort? J'ai tué un qui avait pas d'armes, et il y en a un autre qui avait une arme par contre, il m'a déglingué. Ah, mais moi aussi en fait, j'en ai tué un qui avait pas d'armes, mais il y en a un qui avait une arme qui vient de me déglinguer. Je t'ai carotte tes affaires, comme ça j'en ai fait des bandages. T'es un peu con de les avoir jetés. Ah ouais, j'ai l'air de faire ça. Ah, l'enfoiré quoi, MacGyver. Je te jure. Allez, viens mon petit, j'ai des bonbons pour toi, je suis dans le toboggan. Viens petit, j'ai des bonbons. T'as pas parlé à ton médecin toi dernièrement, non? Ah mec, tu verras sur la vidéo, je me tape un délire là, laisse tomber. Ah ouais, mais toi c'est vrai que tu sais pas slide. Non mais attends, vas-y, j'essaye. Oh, is! Technique du petit prout. Allez, vite. Ouais, je suis pas trop loin quoi. Je crois qu'il y a un autre gars. Dis-moi où il est, je vais le buter. Ah, t'es là. Je sais pas, j'ai vu l'intérieur pas loin. Il y a une petite arme pour moi dans le coin, je pense. Ouais, tiens, j'ai une arme pour toi. J'ai même un sac qui tient. Allez, les hommes en caleçon. Est-ce que t'es chaud? Recharge. Les hommes en caleçon, passe à l'action. Bon, là, nous sommes au cœur de Prison Valley, au cœur des cités. Nous allons rencontrer un jeune Jawad qui prête son appartement actuellement. Et nous allons voir si il peut nous le louer pas cher. Puisqu'apparemment, il serait en mauvais état et non équipé de matelas. C'est ça. Oh, y'a deux mecs là. Mais je sais pas où t'es. Ils sont juste derrière moi. Mais où? Quelle direction? Oh, ça tire. C'est bon, j'ai tué. Oh. Mais je sais, mais dis-moi ta direction, putain. S'il te plaît, je suis... Oh, je vais mourir. Oh, y'a son pote qui m'a tué. Putain. Je vais te venger. Mec, fallait me suivre. Je suis mort, je suis derrière le mur, là. Il est sur mon loot, le mec. J'ai demandé 10 000 fois où t'étais. Mais mec, fallait me suivre. Oui, mais je te suivais, mais de loin, ça va être la game. Vas-y, bah tu me suis alors, là. Là, je te suis. Ok, tu sais où je tombe, là? Ouais, je vois exactement où tu tombes, mec. Tu vois mes petites fesses avec mon petit caleçon, là? Je vois pas encore tes petites fesses, parce que t'es un petit peu loin, mais je les vois presque. Parce que y'a un gars, il vient de te tomber dessus aussi, là. Ouais, j'ai pris la bagnole. Si, y'a vraiment un mec. Faut qu'on se casse. Monte dans la voiture. Dépêche-toi, monte dans la voiture. Il a une AR. Putain, il va te tuer. Wow. Écrase-le. Il va te tuer, putain. Mais je peux pas. Je peux pas l'écraser, ça l'a pas écrasé, frère. Fallait monter, putain. Bah ouais, c'est ta faute aussi. Ah, je l'ai même pas écrasé. On le déglingue à coup de poing. Oh, il m'a éclaté. Ah, ma voiture, elle. Mais fallait monter dans la voiture, putain, qu'on se casse. Attends, moi je tire, dis-moi si longtemps. Ah ouais, ah t'es là. Voilà, oh copain.
Lourd. Vas-y, viens, 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 il y a grave de stuff pour toi là-bas. Là, par terre, t'as un pompe. Prends le casque qui est là. Pose ton casque de merde là. Pose celui-là et mets l'autre à la place. Ah ouais, j'avais un casque de musicien. Ouais, voilà. Prends le pompe qui est là, je vais te donner des balles. Et prends l'AR qui est là, je vais te donner des balles. Allez, go les gars, c'est parti pour un tour de quad. Par contre, allez, viens. T'as ton permis quad ? Ouais, ouais, t'inquiète, quand j'allais chasser. Jamais chassé. Ah ouais, c'est bizarre de se voir au bord du quad quoi. À poil. Putain, je vois que dalle là. J'aimerais bien voir si le airdrop il a été lâché ou pas. Parce qu'il y a un avion là-bas, mais je vois pas le airdrop. Ah. Waouh. T'inquiète. Tout va bien se passer. Je vois sous le monde là, littéralement. Tu crois que tu conduis à l'envers? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bug? Descends. C'est bugué, descends. Si je descends, je vais. Descends, dépêche-toi, il va exploser. Oh. Sors-toi. Waouh. Wow. Enfoiré là. C'est pas de ma faute. Super dingue. Allez, c'est parti. Nous allons nous raconter des petites histoires. Enfin, j'ai mal. Les AR dans les fesses. Oui, elle fait mal l'AR quand elle rentre dans tes fesses. Non, mais en plus, je dois faire pipi là. Ah ouais, t'as envie de faire pipi. En plus, quand tu stresses, t'as encore plus envie de faire pipi. Vas-y, je suis pas du style à stresser moi. Ah ouais, c'est vrai. Wow. Non, mais pas le feu, je rigolais. T'es sûr? Bébé, je rigolais. Ah, oh putain, le con, tu l'as lancé où? Ah, oh, wow. Frère, je suis fait dégringuer. Ah bah ouais, t'as un boulet, mais t'as un medikit là. Putain. Airdrop. Ah ouais. Y'a pas que le airdrop que t'as perdu, toi. Ça va, je rigole. Le airdrop il est à gauche. À gauche. Ah ouais, il est juste là, vas-y, on y va. Non, y'a déjà des mecs qui l'ont pris, mec, ils se tirent dessus. Fais gaffe, y'a le bombardement. Ah, ça va, je suis bien. Ah ouais. On ne voit pas tomber les bombes. Si, tu vas voir. Ah, si, moi je les vois tomber à ce moment. Je vois rien là. Si, si, elles sont déjà tombées. D'accord. Waouh. C'est loin qui tire, les gars. Ouais, mais tu crois que c'est sur nous? Tu crois qu'il non, nous a vus? Non. Franchement, flip sa mère, parce que s'il a un snipe, c'est mort, on est mal. Non. La zone safe en plus, elle est là où on est. Hein. Bah, vas-y, on bouge pas là. Moi je bouge plus sa mère. J'ai trop peur. La victime. Pour vous expliquer les flics, en fait la lumière verte, la fumée verte qu'il y a, c'est un airdrop, c'est un avion qui a largué une cargaison avec des super armes et tout, mais tout le monde va dessus. Et il y a déjà des gens qui les ont prises, les armes. Donc, mais sauf que s'ils ont un sniper, parce que généralement dans ces caisses il y a un sniper. Et ce sniper en fait il vous tue direct en une balle s'il tire bien dans la tête. Donc si vous êtes en non position comme nous, enfin en non mouvement comme nous là actuellement, et ben il peut nous mettre une tête directe. Donc c'est pour ça qu'on prend pas de risque. Et là actuellement il reste que 20 personnes, donc on stresse un peu. Vas-y, et je sais, moi j'y vais Oh, y'a une voiture à gauche, à gauche de nous. Ils sont deux. Il va te rouler dessus. Il t'a roulé dessus. Putain. Oh vas-y, ils m'ont tué, ils étaient deux. Il t'a roulé dessus. On a fini 11ème. Mais non. Il s'est fait rouler dessus. Non mais. Mais je m'attendais trop mal, tu m'as dit il y a une voiture et je regarde à gauche et là la voiture direct sur moi quoi. Hashtag pas de respect. Bon ben voilà les babtous, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, j'ai lu absolument tous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez bien rigolé malgré qu'avec Adrien on n'ait pas forcément fait du top 1 ou top 2. Moi je me serais bien marré. Adrien, je pense que tu sais aussi bien marré. Attends, je vais pleurer, je n'en ai pas encore roulé dessus donc. Il s'est fait rouler dessus comme une victime. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.